Salut les abonnés! Aujourd'hui avec les triplets, on fait des casse-têtes. Oui. Bastien était rendu à faire des casse-têtes 48 morceaux, puis il m'a demandé d'en faire plus. Alors, j'ai acheté. Oui, on va dîner bientôt. Je veux je fais le message après les vidéos de casse-tête. Donc là, c'est l'heure du souper. Menou, il veut voir. On fait des spaghettis aujourd'hui. Non, c'est pas des spaghettis. T'aimerais des spaghettis, toi? Ben, il y a des spaghettis. Oui! Ah oui? Avec la sauce. Avec la sauce. Je veux voir toi, t'sais. Qu'est-ce qu'on a fait avant le souper? On a fait des poutres et des concombres. On a fait des concombres? On n'a pas fait des concombres. Des concombres. On a des concombres? On a fait des casses. Têtes. Ou des casse-têtes. Des abonnés. Oui! On va leur montrer comment vous êtes bon à faire des casse-têtes? Donc, Bastien est à la prochaine. Bastien est à l'essai de son premier casse-tête 63 morceaux. Il m'a demandé un peu d'aide pour le finir à la fin parce que là, c'est l'heure du souper. Mais il aurait été capable de le finir tout seul s'il avait eu le temps pour le finir. Et puis, le petit prince ici, il a fait deux casse-têtes 48 morceaux. Mangez votre souper! Mangez votre souper! Ben, bon appétit si vous mangez, hein? Tu leur dis bon appétit? Bon appétit! Est-ce que tu les invites à rester jusqu'à la fin? Rester à la fin pour nous, les abonnés. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'ils activent le pouce des triplets! Yeah! Bon visionnement, tout le monde! Bye-bye! Tu dois chercher le morceau de la même couleur qui est à côté. Tout le tour du morceau que tu cherches, Aldéric. Okay. Corélia, enlève ta jambe de la table, s'il te plaît. Pourquoi il veut pas? Ben, parce que ça doit pas être le bon morceau, ma princesse. Là, tu es tout en train de le démonter, là. Montre. Regarde. C'est son visage. Il faut que tu fasses son visage. Mais tu vas le trouver. Il y en a des cheveux ici. Essaie de chercher les visages, les yeux, les cheveux. Ça va t'aider à faire leur visage. Bastien, eux autres, ils font un 48 morceaux avec un peu d'aide. Tout seul, ils n'ont comme pas assez de patience. Pas assez de déduction aussi. Mais Bastien, lui, il s'arrange tout seul avec son 63 morceaux. Bastien, t'es un champion. Est-ce que tu le sais, ça? Oui. 3 ans et demi, faire des 63 morceaux, c'est exceptionnel. Oh, maman, regarde. D'habitude, là, c'est vers 7 ans. T'en as 3. Je suis extrêmement fière de toi. Toi, es-tu fière de toi? Oui. Oui, hein? De maman. Oui. Aldéric, lui, il est classé... très bon dans l'évaluation des casse-têtes, mais normalement, c'est pas des 48 morceaux à leur âge. Mais ils aiment ça. Fait que... Ça marche pas avec ça? Montre-moi. Ça, c'est les cheveux. Là, on a Anna ici. Est-ce qu'on peut mettre ses cheveux quelque part? Oh, attention, hein? Assis sur ta chaise, tu vas tomber. Est-ce qu'on peut mettre les cheveux ici? Non. Ici, non. C'est parce qu'on n'est pas rendu à cette place-là. Ah, peut-être ici? Est-ce que ça rentre? Ah, non. Ici, est-ce que ça rentre? Non. Alors, on le met de côté. C'est qu'il ne va pas avec ceux-là. Il va aller avec les autres. On a d'autres cheveux ici. Tu l'as trouvé, ton morceau que tu cherchais? Yeah, tape là-dedans, mon homme! Champion! Donc, viens chercher les autres morceaux ici. Regarde, tu as des cheveux là. Tu as des cheveux là. Et ici. Et encore ici. Donc là, en ayant pas mal les cheveux, tu devrais être capable de les mettre ensemble. Oh, regarde, j'ai trouvé une bouche. Elle va où, la bouche? Là. Mais oui, championne. Aldéric, assis-toi. Comme à moi, on dirait Bastien. Tu le tiens comme Aldéric. Toi, je t'ai mis tes morceaux ici, comme ça, tu les mélangeras pas avec ceux de Bastien.
Bastien, essaie peut-être de prendre un petit peu moins de place parce que t'es du côté Aldéric. Merci. Maman, est-ce que vous aimez ça faire des casse-têtes? Oui. Oui. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas le bon. Ça peut pas marcher tout le temps. Il faut chercher le bon. Quand tu trouves le bon, là, ça marche. C'est ça, un casse-tête. C'est se casser la tête. Et ça aide à pratiquer ta tête pour trouver des résolutions à des problèmes. Tu comprends, Corélia? Oui. Ça, il parle pas, ben non. Ben non, elle parle pas. C'est une image. Toi, est-ce que tu es une image? Non. Non. T'es une vraie petite fille. Est-ce que tu parles, toi? Oui. Oui, tu parles très bien. On dit bonne journée? Bonne journée. Je t'ai même pas aidé pour mettre les morceaux du milieu. J'étais en train de filmer. Tu étais en train de le finir tout seul. Il y a comme de la misère à le débuter. Ouais. À faire le contour puis tout ça. Mais une fois que... Il y a une couple de morceaux de placer, là. Il est vraiment bon, Aldéric. Il te reste deux morceaux. Là, tu les as toutes placées back à back. Je pars la vidéo, puis tu as l'air d'avoir plus de misère avec les deux derniers. Vas-y. Il en reste deux, Aldéric. Tu es capable. Oui, je vais t'aider. Ce sera pas long. Dès qu'Aldéric va avoir fini le sien, parce que maman, elle filme. Il en manque juste un. Aldéric, vas-tu réussir son casse-tête? 48 morceaux. Oh, ça s'en vient bien. Bravo! Oui, tu l'as fait tout seul. C'est toute la gang de la Reine des Neiges. On recommence. Là, ce qu'on a fait. Tu veux en faire un autre encore? Oui. Doucement, doucement pour le défaire. Hein? Les casse-têtes neufs, on veut pas les abîmer. On les défait doucement, puis on va les mettre dans le sac. Tu peux les mettre au fur et à mesure. C'est pas facile. Non, je vais t'aider, Corélia. Je sais que tu as plus de difficultés que tes frères. On travaille là-dessus, puis on va y arriver. T'es-tu confiante, Corélia? Oui. T'es une grande fille, puis t'es capable. Moi, je suis très fière de toi. Très fière. Toi, t'es-tu fière de toi de travailler fort comme ça? Oui. L'important, là, c'est pas de réussir. L'important... c'est de le faire au maximum de ce que tu es capable. Tu comprends? Pour te développer le mieux possible. OK, mon amour? On dit bye-bye aux abonnés? Bye. On dit revenez-nous vite pour nous voir faire des casse-têtes? Bye-bye les abonnés pour nous voir faire des casse-têtes. Bye-bye à tous. Et on a bien hâte de vous revoir. Bye-bye! Surtout, activez le petit pouce en l'air si vous avez aimé comment les petits minous font des cassettes comme des champions. Ça va les encourager. Je vais leur dire combien ils ont de pouces en l'air. Et puis, vous activez la cloche de notification et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Bye-bye! Bye-bye! Cette vidéo était sponsorisée par la friperie de Tribu. Vous pouvez aller voir le lien en barre de description. Bonne soirée. Moi aussi, je veux me voir au dîner. Bonjour, salut. On est là pour voir notre dîner. Mais j'aime pas ça quand je ne veux pas. Est-ce que c'est bon le dîner que papa a préparé? Je ne veux pas. Oui, tu veux pas manger grand-chose, hein? Aldéric, on a su qu'il était autiste il y a 2 semaines. Ça explique beaucoup ses difficultés à accepter des nouveaux aliments. Donc... c'est ça. Je ferai une autre vidéo sur son autisme. Il est autiste niveau 1, sans déficience intellectuelle. Il est en avance sur quelques plans. Et puis, anciennement, en fait, il aurait été dit autiste Asperger. Donc, dans une prochaine vidéo. Bye bye.